بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, nous sommes à l'école coranique à la télévision Al-Bayan pour notre apprentissage de la langue arabe et cet apprentissage qui va nous permettre à bien lire le Coran al-Karim. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite cela. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, nous allons passer à une révision des leçons précédentes. Et comme vous le savez bien, l'alphabet arabe est devant votre petit écran à la forme neutre. Et nous allons choisir la voyelle Dhamma pour appliquer sur tout l'alphabet arabe qui est devant votre petit écran. Et comme nous l'avons si bien dit, l'alphabet arabe, quand l'alphabet arabe ne porte pas de voyelles, donc les lettres sont lues à la forme neutre. Mais nous allons lire ces 28 lettres de l'alphabet arabe avec la voyelle Dhamma comme une révision. Donc vous pouvez suivre avec nous, chers apprenants. Je commence par la lettre Alif. La lettre Alif avec la voyelle Dhamma me donnera tout simplement O. Et la lettre Ba'un avec la voyelle Dhamma me donnera Bou. Je vais procéder dans cette logique. Je vais appliquer la voyelle Dhamma avec les 28 lettres de l'alphabet arabe. Donc je commence par la lettre Alif. O, Bu, Tu, Su, Ju, Hu, Hu, Du, Zu, Ru, Zu, Su, Shu, Su, Du, Tu, Zu, U, Ru, Fu, Ku. Voici donc les 28 lettres de l'alphabet arabe sont lues à la forme avec la voyelle Dhamma, bien évidemment. Si ces lettres-là ne portent pas de voyelles, donc elles sont lues à la forme neutre. Mais nous avons lu tout à l'heure toutes les 28 lettres de l'alphabet arabe avec la voyelle Dhamma. Donc, notre cours d'aujourd'hui, cher apprenant, c'est Al-Mat. Le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est Al-Mat. Et vous le savez bien, Al-Mat signifie allongement. Al-Mat signifie allongement ou prolongement. Et Al-Mat a trois lettres. Les lettres de Mat font trois. Les lettres de Mat font trois, c'est-à-dire lettres d'allongement ou lettres d'extension. Ces lettres font trois. La première, c'est la lettre Alif. La première, c'est la lettre Alif. La lettre Alif. Qui a pour voyelle Fatah. Et la deuxième lettre d'allongement, c'est la lettre Ya'un. Et Ya a deux formes d'écriture. La deuxième lettre de Mat, c'est la lettre Alia. Qui a pour voyelle Kasra. Et la troisième lettre d'extension, autrement dit, la troisième lettre de Mat, lettre de prolongement, lettre d'allongement, qui est la lettre Waoun, qui a pour voyelle Dhamma. En résumé, Al-Mat signifie allongement. Al-Mat signifie prolongement. Al-Mat signifie, c'est-à-dire, ces lettres de Mat font trois. On a la lettre Alif qui a pour voyelle Fataha et on a la lettre Ya qui a pour voyelle Kasra et on a la lettre Waoun qui a pour voyelle Dhamma. Et nous allons appliquer la lettre
Waoun étant une lettre de mat qui a pour voyelle Dhamma, parce que nous avons vu les deux autres lettres de mat, à savoir la lettre Alif qui a pour voyelle Fatha et la lettre Ya étant mat qui a pour voyelle Kasra. Nous avons vu ça de nos précédents cours. Et vous pouvez réviser votre copie afin de bien assimiler cette leçon. En ce qui concerne la lettre mat alwa, qui a pour voyelle Dhamma obligatoirement, nous allons appliquer cette lettre de mat alwa, qui a pour voyelle Dhamma, avec les deuxièmes rangées de l'alphabet arabe. Je prends la lettre dal. La lettre dal, qui est lue ici, à la forme neutre, et la lettre dal qui est lue aussi à la forme neutre, et la lettre raun qui est lue à la forme neutre, et la lettre zai qui est lui aussi lue à la forme neutre, et la lettre sin et la lettre shin et la lettre sad qui sont tous lus à la forme neutre. Nous allons appliquer maintenant la lettre mad waw sur ces deuxièmes rangées de l'alphabet arabe. Vous pouvez donc suivre avec nous, cher apprenant. Je prends la lettre dal. Pour appliquer ma doigt avec la lettre dal, me donnera tout simplement. Parce que nous avons précisé de nos précédents cours que la lettre mat waw a pour voyelle Dhamma. Dès lors que la lettre mat waw est juste à côté de la lettre dal, on lit tout simplement dou, parce que la lettre waw a pour voyelle Dhamma. Je prends la lettre dal. La lettre dal avec mad waoun, la lettre dal avec mad waoun me donne zou, tout simplement. Donc, l'allongement de la voyelle Dhamma, est marqué par la lettre de mat waw, tout simplement, comme nous l'avons appliqué sur la lettre dal. Je prends la lettre dal, j'ajoute mat waw, me donne dou, tout simplement. Je prends la lettre dal pour appliquer la lettre dom, la lettre waw étant lettre mat, c'est-à-dire je prends la lettre dal pour appliquer la lettre mat waw, me donne zou, tout simplement. Si je prends maintenant la lettre, raoun, pour appliquer mat waoun, me donne tout simplement rou, tout simplement. Donc, la voyelle Dhamma, allongement de la voyelle Dhamma est marqué par la lettre Waoun étant lettre mat. Je prends toujours la lettre mat Waoun pour m'appliquer toujours avec la lettre Raoun. La lettre Raoun avec mat Waoun me donne rou, tout simplement. Je prends maintenant la lettre Zai. La lettre Zai, pour m'appliquer avec mad waoun, me donne zou. Je prends maintenant la lettre Sin. La lettre Sin avec mad waoun, me donne tout simplement sou.
je prends les mad waoun avec la lettre sin, me donne sou, tout simplement. Je prends la lettre shin. La lettre shin est en lettre ici devant votre petit écran avec mad waoun, me donne tout simplement chou, me donne chou. Et si je prends la lettre sad, la lettre sad est en lettre devant votre petit écran parce que ici elle n'importe pas de voyelle. Donc la lettre sad avec mad waoun me donne sou, me donne sou, tout simplement. Chers apprenants, comme vous le savez bien, de nos précédents cours ou de nos précédentes leçons, nous avons précisé ou nous avons expliqué que mat signifie allongement. Et les lettres de mat font trois. Alif a pour voyelle fataha, yaoun a pour voyelle kasra et waoun a pour voyelle dhamma. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, ici prend fin notre cours. Ainsi prend fin notre cours, espérant vous retrouver à la prochaine leçon. Incha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.